J'ai un cerveau monstrueux. Bonjour à tous, je suis Lord Maxella, Lord YouTuber Elite, numéro 1 préféré des Français. Et ça va faire longtemps que j'avais pas sorti de rectification. Et justement, on va aujourd'hui parler de quelqu'un qui est complètement ouvert à la critique et aux rectifications. Que la critique et les rectifications, j'accepte sans problème. Ça va être un vrai plaisir de voir s'il était franc là-dessus. Par contre, il a dit qu'il ne connaissait pas mon nom. Qu'est-ce que je pense de Maxella? Je sais pas qui c'est. Alors on va tâcher de lui faire mémoriser. On va parler aujourd'hui d'un youtubeur de 25 ans dont le manque de recul et de morale ne peut égaler que le manque de charisme. On va parler de Pirorka. Alors justement, c'est que je vous ai fait un petit schéma. On a ici Pirorka. Et on peut voir qu'il est composé à 97% de ses propres chevilles qui sont extrêmement gonflées. Si j'étais un connard, les gars, je serais la personne la plus dangereuse de cette planète. D'un point de vue social, je serais extrêmement dangereux. Oui, j'ai un cerveau monstrueux pour devoir faire ça et je pense être un petit peu autiste. Rendez-vous compte, il réfléchit tellement vite qu'il pense plus vite qu'il écrit. Ah ouais, parce que mon cerveau va plus vite que ma main quand elle écrit. Ah oui, non mais les fameuses personnes qui pensent plus vite qu'elles écrivent. Il y en a pas beaucoup des comme ça. Hein. Personnellement, quand j'écris, je pose entre chaque mot pour réfléchir au suivant. Je pense bien plus vite que ce que j'écris en fait. Ce qui fait que j'ai un retard. Ouais. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il a un retard. Il a un retard parce qu'il est trop intelligent. On n'a qu'à dire ça. Et exceptionnellement d'ailleurs, j'ai coupé cette vidéo en deux parties parce que sinon ça va être trop chiant et trop long. Dans la vidéo que vous voyez actuellement, je parlerai de ce qui est plutôt extérieur vis-à-vis de Pirorka. Et dans la prochaine vidéo, on parlera de ses déviances sexuelles. Et du coup, par rapport à cette vidéo-là et à la seconde, rappelez-vous d'une chose, on ne parlera pas d'un personnage. On parle d'une personne qui existe réellement et qui est comme ça dans la vraie vie. C'est un truc qu'il a bien mis au clair dans un tweet longueur du 11 mai 2020. Il est authentique sur sa chaîne. Sa chaîne qu'il a d'ailleurs épurée de 8 millions de vues le mois avant son tweet. Donc, il a supprimé énormément de vidéos avant que je commence mes recherches. Et on va donc partir du principe qu'il assume tout ce qu'il dit sur sa chaîne parce qu'il a fait un grand ménage. Si tu fais quelque chose, tu assumes. Si tu dis quelque chose, tu assumes l'acte. Si tu fais quelque chose, tu assumes le discours ou ce que ça donne de ton image, en fait, d'accord? On a. Voilà, son code moral, c'est d'assumer tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. On place le contexte. Et dans la suite logique, il s'oppose fièrement, évidemment, à l'hypocrisie. Moi, je n'aime pas quand le discours, il n'est pas cohérent avec l'acte. Voilà, donc si par exemple, à tout hasard, à un moment, il venait à demander en masse des dons, il ne dira pas quand il n'en a plus besoin que c'est absolument pas son genre. Non, j'aime pas. Premièrement, ça fait mendiant. Je suis pas du genre à demander de l'argent comme ça, genre en mode genre, oh, j'ai besoin d'argent, s'il vous plaît. Faut que je paye l'essence, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir, les gars. Je sais pas, c'est pas du tout mon genre. Là, on sent le petit flashback qui revient. Moi, puis moi, rien à voir, jamais il ne balancerait ce genre de phrase évidente. C'est pas un pseudo, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est un nom commun dans une autre langue, c'est pas un pseudo. Bah zut. Bon, cherchez pas, c'est sûrement hors contexte, de toute façon, c'est ce qu'il va dire pour toute la vidéo. La vidéo, il va être en mode, alors oui, j'ai dit ça, mais c'est hors contexte, ça ne compte pas. Voilà, grossièrement, c'est ça. Mais du coup, pour retourner à l'introduction de la vidéo, oui, il a changé de pseudo. Avant, il se faisait appeler Pirorka. Et maintenant, c'est Wolfic. Ou The Wolf. Ou Lesbian Wolf. Mais moi, personnellement, je préfère l'appeler Chelsea en 2012. Chelsea est une pute. C'est logique, en fait. Oh, et pas de soucis, dans le contexte où il en parle, il dit ça au sens littéral. Bon, voilà tous les pseudos emo et new age qu'il utilise et qu'il a utilisé. Mais pour faire plus simple, nous, on va continuer de l'appeler Pirorka. Et dernière chose, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que Pirorka contrôle tout. Que ma vie, c'est moi qui la décide. Donc j'ai pas des choses que je n'aime pas qui m'apparaissent comme ça dans la gueule, en fait. Je décide de tout. Et quand quelque chose ne va pas, je l'écrase. Ça a toujours été comme ça. Et quand quelque chose ne va pas, il l'écrase. Et avant que ça commence, juste un petit rappel. Le but de la vidéo, c'est pas d'envoyer des gens le harceler. Parce que le harceler, ça le renforce dans ses idées. Donc ne le faites pas, s'il vous plaît. Merci. Donc, pourquoi doit-on se méfier de The Wolf? Vidéo 1, grande partie 1, premier chapitre, sous-partie 1, partie A, paragraphe 1er. Pirorka. Et profondément ignorant. Essayez de me faire changer d'avis. On parle d'un mec qui, de base, s'oppose aux échographies parce que ça donne le cancer du cerveau. Je suis complètement contre les échographies, hein. Je préfère vous le dire direct, hein. Ça permet de sonder le gosse. C'est-à-dire que le mec est pas encore né, on va immédiatement lui donner un cancer du cerveau. Hein. C'est vraiment l'idée, quoi. Alors, justement non, et pour expliquer son retard, il y a probablement plein d'autres raisons. J'ai un retard. L'échographie, c'est pas de la radiologie, c'est juste du son qui va rebondir. Personnellement, je blâmerais le fait qu'il ait repeint sa chambre à la bombe et qu'il n'ait pas mis le masque une seule seconde. Parce que de toute façon, Pirorka ne mettra pas de masque, quel qu'il soit. Il y a une grosse phobie sur la respiration. Donc si elle est bloquée, si quelque chose me bloque, si j'ai quelque chose devant ma bouche ou si je m'entends respirer, c'est crise de panique totale. Non, vous comprenez, c'est que si jamais il met quelque chose sur sa bouche, il fait une crise de panique directe. Ça, c'est un mal alpha, ça. Ah ouh. Si tu veux survivre sur Terre, va falloir apprendre à être un mal alpha au bout d'un moment, en fait. Heureusement, après ça, qu'il tente de se rassurer et de dire que c'est aussi une histoire de soumission. Tu me soumets pas, point barre, en fait. La règle, elle s'arrête là, en fait. Tu ne me soumets pas, point final. Je me fiche royalement des répercussions.
tu ne me soumets pas, c'est tout. C'est cool, dit comme ça, on voit vraiment qu'il a confiance en lui, genre personne ne le soumettra à mettre un masque. Putain, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir une bonne confiance en soi et une bonne estime de soi pour refuser de porter le masque parce que tu prétends que tu te sens soumis quand tu le mets. Non, vraiment, les gestes barrières et les principes d'hygiène de base, c'est vraiment trop dur à endurer pour quelqu'un de fort comme Pirorka. Ah non, moi je m'appelle Pirorka, je ne me soumets pas aux règles d'hygiène de base. Je ne me lave pas les mains après être allé aux toilettes. Hein. Tu ne me soumets pas, point final. Salut, moi c'est Pirorka. Et ma maman, elle veut pas. Ma maman, elle veut pas que je joue à la DS la nuit. Mais moi, on ne me soumet pas. Non, on ne me soumet pas. Je joue à la DS la nuit. Il ne me soumet pas, c'est tout. Donc dans sa quête l'opposant au système pour avoir de la crédibilité, Pirorka s'oppose au masque, il s'oppose aux échographies, et il s'oppose au vaccin. Il refuse de faire vacciner ses enfants. Quand un enfant il naît, il doit avoir 11 vaccins. C'est la loi, hein, voilà. C'est-à-dire que le mec vient d'arriver sur Terre, on lui fout 11 vaccins dans la gueule. Super. Moi je les ai tous refusés, donc du coup... Mais j'ai pas fait vacciner mes gosses. Déjà, on pourrait penser que Pirorka, avec son cerveau extraordinaire et son intelligence hors norme, sait comment fonctionnent les vaccins et refuse pour des raisons médicales qu'il pourrait justifier et expliquer. Ou alors, la raison pour laquelle cet homme alpha, Aou, refuse de faire vacciner ses enfants, c'est parce qu'il a peur des aiguilles. Les aiguilles, les seringues, je trouve que c'est très malsain. Donc par défaut, je serais contre. Et pour éviter que ses enfants se fassent vacciner, parce que, en réalité, il veut juste se sentir différent, il ira jusqu'à menacer l'infirmière. Il m'a dit, mais vous savez que c'est obligatoire ce vaccin, je suis obligé de le faire. Je fais d'accord, mais en fait, moi je refuse, donc tu le fais pas. Mais oui, mais vous avez pas le droit de refuser. D'accord, sauf que, en fait, si tu vaccines ce gosse de force, tu mets ta vie en grand danger, en fait. Donc il y a des choses plus importantes que le vaccin, là, actuellement. Hey, voilà un comportement à suivre. Regarde, ton youtubeur préféré le fait. Après, personnellement, j'ai toujours voulu savoir à quoi ressemblaient les gens qui menaçaient les infirmières. Maintenant, je le sais. Mais voilà ce qui se passe quand on s'oppose à ces décisions débiles. Il menace les infirmières et souhaite la faillite aux commerçants qui demandent le port du masque. Je rentre dans une boulangerie, on me dit faut mettre un masque, le mec, plus jamais je rentre dans sa boulangerie en fait. C'est terminé sa boulangerie, il me revoit plus jamais. Et j'espère qu'il fera faillite en fait. Et l'élément de comparaison... Ça m'énerve. Il y a des juifs, ils ont été déportés par des gens comme ça. Parce qu'évidemment, c'est exactement la même chose. C'est la même optique, tu vois. Et encore, là, c'est quand il est face à un commerçant. Quand c'est une fille qui le fait chier, il lui souhaite de se faire violer. Et évidemment, je cite... Elle mérite un viol dans la vraie vie. Ah ouais. Ha, bah là, vu ce qu'elle vient de faire, ouais, oui. Je trouve ça un peu dégueulasse. Oula, la dernière partie s'est terminée un peu vite, j'étais en train de dire qu'il souhaitait aux meufs qu'il aimait pas de se faire violer. Bon, parlons d'autre chose, visiblement. Donc ouais, dans son infinie sagesse, Pirorka a décidé d'aider les gens avec leurs problèmes. Et on est tous en droit de douter qu'il ait les capacités pour aider les gens. Mais j'imagine que lui a une très bonne raison de penser qu'il peut nous aider, alors on va écouter ce qu'il a à dire. J'ai pas envie de débattre sur ma légitimité à pouvoir aider quelqu'un. Ah, donc si on n'est pas déjà convaincu de base, au part sa coupe de cheveux, il va pas nous aiguiller, nous dire pourquoi est-ce qu'on devrait lui faire confiance? Ce genre de dire, ça ressemble quand même vachement à un filtre qui ne garde que les personnes naïves ou désespérées. Parce que parler à la première personne... pour parler de soi-même, en fait. Oui, effectivement, parler à la première personne, c'est effectivement parler de soi. Et il pense vraiment très très vite. Putain, faire son propre CV à l'oral, ça ne fonctionne pas. C'est toujours perçu comme de l'avantardise, du narcissisme ou de l'égocentrie. Donc c'est chiant et ça marche pas. Donc il ne parlera pas de lui à la première personne, parce que ce n'est pas un vantard narcissique, égocentré. Il a commencé. Moi, j'ai ces informations, la qualité, l'authenticité de mes conseils, mes outils. J'ai observé personnellement, par mon expérience de la vie, mes observations, mes analyses, et j'ai passé plusieurs années... Oui, donc record battu, il est incohérent en moins de 15 secondes. Mais bon, l'idée générale qu'il donne avec sa justification, c'est un truc du style « J'ai beaucoup réfléchi. Et au final, nous vivons dans une société. » Et j'ai passé plusieurs années, notamment mes années de dépression, à analyser le monde qui m'entourait. Et je peux vous dire effectivement que la société ne fonctionne pas correctement. Des années de réflexion pour dire que tout ne va pas bien dans le monde. Waouh, c'est vraiment un génie, c'est extraordinaire. Voyons ce qu'il a à dire. C'est un herboriste. Je peux te garantir que ton problème, tu prends un de ses breuvages, dans 2 jours il saute. La question est donc la suivante. Quel problème le breuvage de l'arboriste peut-il faire disparaître en 2 jours? Est-ce un manque de vitamines? Une gorge sèche? Une petite soif? Ou un cancer des os localisé sur les vertèbres? Alors... Je dirais la réponse D, un cancer des os.
Tu es sûr? Oui, Max. C'est mon dernier mot. Je préfère ça. Et la question à la réponse était... La réponse D, le cancer des os, c'est exact. J'ai un cancer. En gros, j'ai des tumeurs à des vertèbres. Ce que j'ai, c'est des tumeurs des os. Et en gros, c'est comme si mes vertèbres s'autodétruisaient toutes seules. Cancer des os, mange une petite digitale, t'auras plus mal. Le mec, clairement, s'est pris pour Thierry Casasnovas. Je sais pas comment voir la chose autrement. Mais au moins, dans ce cas précis, il ne va pas demander au mec d'arrêter ses traitements médicaux. Voilà un autre exemple complètement au hasard. La personne en ligne est un ancien militaire qui a vécu des traumatismes et qui prend des traitements pour arrêter de se faire mal. La médication a fonctionné, il a arrêté de se faire du mal. Et voilà ce que recommande Pirorca. Vraiment, évite de prendre des médocs en fait. C'est le pire truc possible. Ouais, c'est vrai. Je te déconseille fortement de les prendre. Hein. Faut arrêter les médicaments. Pour le contexte, il faut que je vous rappelle que Pirorca ne connaissait pas le médicament, ni le dosage, ni le diagnostic du mec. C'est grave d'utiliser son influence pour tenter d'interférer avec la médication des gens. Sans aucune putain de connaissance dans le domaine, Pirorca va déconseiller la médication et les psychologues. Comprenez que de détourner des personnes qui ont besoin d'aide, c'est vraiment dangereux. Mais bon, après, c'est vrai qu'il pense très vite, donc. Oui, il a un gros cerveau. Le truc, c'est que quand c'est pas un remède à base de jus qu'il recommande, voilà ce qu'il peut dire. Je connais la meilleure solution pour que t'ailles mieux. Par contre, tu vas pas aimer l'entendre. Ouais. C'est que ta mère, elle meurt. Je vais pas vous mentir, j'aurais pas eu les couilles de la sortir. Dire à une fille en recherche de conseils parce que sa mère se porte pas bien depuis un moment que la meilleure solution, c'est que sa mère meure, c'est faux. C'est vrai qu'attendre la mort des gens, c'est toujours une meilleure solution que de les aider. Et voir un psy, ça fait des années qu'elle en voit un, et moi je commence à en voir une aussi. Je le recommande pas, ça. Non, c'est vrai, le meilleur traitement, ça reste de boire un jus. C'est vrai, pas les psys. Hein. Quoi? T'as un problème avec les gens dans ta classe? Mais rentre dans le tas et frappe-les! Alors c'est simple, à chaque fois que t'as une emmerde, tu rentres dedans. Un mec t'insulte, tu l'insultes. Il te réinsulte, tu le frappes. Y a vraiment rien d'autre à faire pour le coup. Ah c'est... Je vois aucune autre solution. Hein. Ah ta petite sœur de 13 ans t'énerve! Bah écoute, pète-lui la gueule jusqu'à ce que ça résolve le problème. Et le grand frère, d'accord? Elle doit te respecter. Point barre. On s'en tape royal du reste. Donc elle te fait chier, tu la dégommes. C'est tout. Et tu la dégommes suffisamment fort pour qu'en une seule fois, elle te respecte. Non, c'est vrai, j'ai beau réfléchir très très vite, moi aussi, je ne vois que cette solution. Pète la gueule de ta petite sœur de 13 ans. Après, c'est vrai que c'est ton youtubeur préféré qui te le demande, donc j'imagine qu'il faut le faire. D'ailleurs, si je peux juste ajouter un petit peu en fait à ça, je te conseillerais de partir sur un suplex allemand. Mais de toute façon, lors du premier stream de cette émission, Pirorca avait déjà décidé que tous les problèmes viendraient de l'entourage des gens. Je pense que globalement, toutes les personnes qui viendront sur ce stream pour m'énoncer leurs problèmes, la solution au problème, ce sera tu fréquentes de la merde. Ça sera tout le temps ça, en fait. Il n'a pas encore vu les gens, et il est déjà prêt à leur sous-entendre qu'il faut se couper de leur entourage. Parce que tout le monde fréquente de la merde. Ah, évidemment, à part Pirorca et ses amis. Que tu fréquentes vraiment de la merde, en fait. Et vous savez ce qui est marrant? C'est que ce genre de discours, plus les conseils qui isolent, c'est typique d'une dérive sectaire. D'après ce que je sais, je pense en toute bonne foi que ce que fait Pirorca est comparable à une dérive sectaire. Pour en venir à cette conclusion, je me suis informé sur le site d'Emivilude, qui donne accès à une liste de critères qui servent à déceler plus facilement une possible dérive sectaire. Chacun des points ici n'est pas une case obligatoire, et la liste n'est pas exhaustive. Seule la première case est systématique. Normalement, avoir un ou deux points peut être suffisant. Voilà les points que le comportement de Pirorca valide selon moi. Ça fait beaucoup là, non? Les points que j'ai enlevés relevaient uniquement de la politique et du financier. Et je ne pense pas que Pirorca ait des ambitions financières ou politiques. Je pense juste pour l'instant qu'il veut embobiner une poignée de personnes. On va donc voir ça point par point, à l'exception des démêlés judiciaires que l'on verra dans la prochaine vidéo parce que c'est le thème. Et on ne verra pas non plus le point qui concerne l'existence d'atteinte à l'intégrité physique parce que j'ai juste pas les preuves pour l'appuyer. On va donc l'ignorer. Donc retour à la vidéo, on vient de parler du fait que Pirorca promeut l'idée que tout le monde c'est de la merde. Parce que personne ne pense dans ce pays de merde en fait, et dans ce monde de manière générale, personne ne pense. Il y a une époque en fait où mes parents étaient aussi stupides que n'importe quel humain. Résolution machin que personne ne respecte parce que c'est des gros déchets de merde. Je suis au McDo, je suis au milieu de McDo avec mon fils. La première chose que j'ai ressentie quand je suis rentré là-dedans, c'est à quel point les gens qui étaient là-dedans étaient malsains, mauvais ou méchants ou débiles. Pour des personnes qui n'ont pas de recul, c'est-à-dire à peu près toutes les personnes de cette planète, parce que y a beaucoup trop de débiles sur Terre, que tu fréquentes vraiment de la merde en fait. Mais attention, il y a une nuance plutôt importante. Tout le monde sait de la merde, sauf lui et ses amis. Ce qui est pathétique, en fait, c'est que il y a une phrase que tout le monde pense, mais que personne n'applique, parce qu'on en arrive à cette conclusion, c'est genre « Vaut mieux être seul que mal fréquenté, hein ?» D'accord, c'est cool de le dire, mais faut le pratiquer. Je connais personne qui fait vraiment ça. Je connais trois personnes qui ont vraiment fait ça de leur vie, c'est mes trois amis, en fait. Voilà, tout le monde sait de la merde, sauf les gens qui se rapprochent de moi. Mais est-ce que répéter que le reste du monde est inférieur, c'est pas la meilleure façon de te faire changer l'environnement? Rupture avec l'environnement d'origine. Et vous verrez juste après que c'est quelque chose qui s'est déjà concrétisé. Ça, on l'a déjà abordé, mais Pirorca vous donnera les pires conseils possibles quand vous lui demanderez de l'aide. Arrêtez de prendre sa médication quand ça vous aide, frappez les gens de votre cercle social. Non seulement ce genre de conseils peuvent isoler les personnes, mais en plus, Pirorca l'admet lui-même. Ça fait du mal. Ces conseils sont là pour vous mettre dans le mal. Appliquez à moi parce qu'à première vue, les conseils que je donne, ils rendent pas heureux.
sur le court terme, ils rendront jamais heureux. Ils vont même te détruire encore plus qu'une dépression. C'est vrai qu'il l'a dit. Et c'est vrai qu'il a lui-même dit aussi qu'il était très fort pour instrumentaliser la peur. Instrumentaliser la peur, je sais parfaitement comment on fait. Je sais très bien comment ça fonctionne. Yeah! D'ailleurs, c'est con, je me souviens plus, mais ils sont adressés à qui, ces conseils-là? Il s'agit d'aider les personnes, hein, les êtres humains, genre surtout pour les adolescents actuels et les nouvelles générations qui arrivent. Ah oui, c'est vrai, les conseils qui sont là pour vous mettre dans le mal sont destinés aux jeunes. C'est vrai qu'il dit qu'il va aider les gens à sortir de leurs mensonges en leur ouvrant les yeux. Le principe du Fresh Restart, c'est ceci. C'est vous offrir cette deuxième sauvegarde dans laquelle vous êtes réellement conscient à 100% avec les yeux pleinement éveillés, où vous allez décider pour la première fois de votre vie de réellement jouer votre personnage. Sans déconner, ce genre de discours, vous mettez à combien sur l'échelle de la dérive sectaire? Je suis d'accord, ça sonne super con. Et ça sonne super con pour 95% des gens. Mais Pierre Orca ne vise pas 95% des gens. Lui, il cherche des gens qui sont à un moment de leur vie où ils se sentent mal, où ils ont des problèmes, où ils recherchent désespérément de l'aide. Et de toute façon, on peut voir ça de la façon suivante. Il propose un programme pour aider les gens qui ne se sentent pas bien. Il vise pas les gens qui se sentent bien. Il s'adresse spécifiquement à des personnes qui vont mal. Il dit que le monde c'est de la merde à part lui, et donne des conseils pour mettre les gens dans le mal. Voilà comment on peut casser des gens, et les remodeler un peu à souhait. Et c'est pour ça que j'en veux pas beaucoup aux gens qui suivent Pierre Orca et qui m'insultent. C'est des personnes qui vont pas bien, en grosse majorité. Et s'il vous plaît, ne pensez pas que tout ça, c'est juste quelqu'un qui va dire des conneries en ligne. Il y a vraiment des choses qui se passent dans le monde réel. À l'heure actuelle, Pierre Orca semble être en train de tenter de réunir des gens autour de chez lui, physiquement. En tout cas, c'est ce que m'a expliqué un de ses amis proches qui restera anonyme. Et ouais, du coup, toute la meute, le but, c'est de... On prévoit de tous emménager sur un arcade, à l'endroit où habite Wolfie. Et évidemment, quand on demande à Pierre Orca pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un chez lui, il va pas vous dire la vérité. T'es en coloc, en fait? Alors non. J'héberge un ami parce que... Là, ça se voit, il réfléchit beaucoup et il pense très 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 vite. J'aime pas être seul. Si je résume... En vrai, c'est vrai que la vérité est un peu gênante à avouer. Mais grossièrement, ce qu'il doit faire, c'est reproduire l'univers imaginaire de Pierre Orca dans la vraie vie. On prévoit de tous emménager sur un arcade. L'arcade, c'est une ville de... sur Cascade, mais qu'on va emmener dans la... l'IRA. Et encore une fois, je sais que ça peut paraître super con, et ça paraît super con, et... Il va sûrement dire que c'est pas le cas et que c'est super con. Mais on en est là. Alors la question qui se pose, c'est quoi cet univers? Donc son univers, c'est un endroit où il y a de la zoophilie, de l'inceste et de la pédophilie. Dans The Orcas 4, si on compare à la Terre, il y a de l'inceste, de la zoophilie, limite de la pédophilie. Mais ça n'a rien à voir en fait. Parce que c'est pas les mêmes règles. Ah oui, et oui, on a aussi le fameux « c'est pas pareil », parce qu'au final, c'est différent. Et pour répondre à vos questions, oui, la zoophilie est tolérée là où ils se réunissent dans leur village imaginaire. Non, dans mon univers, en fait, c'est normal. C'est complètement normal, en fait, hein, de coucher avec un animal. Ça choquera aucun PNJ, hein. Non, c'est normal. Un Arcane, typiquement, c'est un village entier, ça va choquer personne. Hein. Bon, en vrai, stop. Pour cette dernière partie, j'aimerais qu'on nage un petit peu le ton, parce que la prochaine vidéo parlera de ce qu'il y a de plus grave autour de Pierre Orca, et j'aimerais finir ça sur une note un peu plus douce. Alors on va parler de son jeu de rôle. C'est un jeu de rôle. Non, c'est pas un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle. D'après Pierre Orca, son univers est complètement original. On ne le trouvera nulle part ailleurs. Donc moi je n'ai jamais connu World of Warcraft, je n'ai jamais lu de bouquins, je n'ai pas regardé Le Seigneur des Anneaux, je ne connais pas tous ces trucs. C'est ce qui fait que mon univers est authentique et unique, et que tu ne le trouveras nulle part ailleurs, parce qu'il n'est pas inspiré de quelque chose qui existe déjà en fait. C'est probablement pour ça que toutes les illustrations et tous les visuels de son univers sont piqués sur internet. Ça le rend tellement original. Mais bon, le gars n'est pas graphiste, il est compositeur, on peut pas vraiment lui en vouloir. Mais justement parce qu'il est compositeur, j'ai voulu vérifier la chaîne The Orcas OST et écouter ce qu'il avait composé pour son jeu, parce que The Orcas OST c'est censé être les bandes-sons original pour son jeu. Ça serait logique vu que c'est un compositeur. Et en plus, il joue bien du piano, tu vois. Y a aucun doute, c'est un jeu complètement unique et original. Je sais que je vous ai dit qu'il avait des enfants. Le premier s'appelle Raven Noctis, et la seconde s'appelle Bloody Angel. Je ne m'attarderai pas sur les noms, normalement il y a des gens en mairie pour éviter ce genre de choses. Cependant, j'ai besoin de vous préciser un truc par rapport à son jeu. Si ses enfants portent des noms de créatures de Doctor Who, c'est parce que Pierre Orca imagine qu'il les importe de son univers vers la vraie vie. Alors justement, ça c'est les enfants que j'aimerais mettre au monde, c'est des persos de mon univers. Raven, c'est un PNJ dans The Orcas. Bloody, c'est un PNJ dans The Orcas. Mes enfants, c'est des PNJ de The Orcas que j'importe sur Terre. Je crafte mes gosses pour importer des PNJ de mon univers sur Terre, en fait. Ok, ça n'a aucun sens. Alors maintenant que vous êtes au courant de ça, il faut que vous appreniez qui est le PNJ de Bloody dans le jeu. Je vais vous le dire, vous ne me croirez pas, et ensuite je vous passerai l'extrait qui va le prouver. Le personnage que la fille de Pierre Orca est censée réincarner,
est une fille de 16 ans qui attire les hommes dans des ruelles sombres pour se faire violer. Elle se fait violer, puis elle les tue, puis elle viole leurs cadavres. Je vois bien qu'à ce stade, vous ne me croyez pas. Bloody, c'est une fille, elle a 16 ans. Pour résumer, en gros, son kiff, c'est de exciter des mecs avec le regard et le comportement, les attirer dans des ruelles, se laisser se faire violer, les buter, et une fois qu'ils sont morts, les ride. Je suis amoureux de cette personne. Alors, heureux ? Évidemment, pour rester dans l'univers de son jeu et dans son ego trip, on peut lui associer un léger syndrome de Jérusalem. Parce que ce qu'il fait, c'est pas juste qu'il imagine un univers. Grossière erreur. Lui, il voit pas ça comme ça. En train de créer un simple jeu, c'est vraiment genre le travail de Dieu, hein, ce qu'il a fait sur Terre. Je suis en train de le refaire pour un univers, mais en mieux. Faudrait pas manquer une occasion de se comparer à Dieu. C'est une revanche sur la Terre, en fait, entre guillemets. C'est genre, si j'étais Dieu, moi j'aurais fait les choses comme ça. Et ça aurait été bien plus beau, et ça aurait été bien mieux, en fait. Donc ce que fait Pierre Orca, c'est qu'il refait le monde, mais en mieux selon lui. C'est pour ça que dans son univers, il y a des prostituées de 14 ans. Lorsqu'une fille atteint l'âge de 14 ans, elle doit choisir sa place parmi trois mentalités différentes dans lesquelles elle va vivre. Les trois mentalités disponibles sont la mentalité prostituée, civile et indépendante. La mentalité prostituée consiste à considérer le corps d'une femme comme un produit commercial. Notifier qu'il est impossible de violer une prostituée. Dès lors que l'accès au sexe est monnayé, un viol devient donc un simple vol. Notez qu'il est en revanche très mal vu pour une prostituée de refuser un client, peu importe les raisons. Voilà, il a l'air heureux quand il dit qu'on peut pas reconnaître un viol parce que techniquement ce sont des objets, ces filles-là. Ça, c'est sa tête quand il en parle. Mais vous savez, moi aussi, je pense plus vite que j'écris. Et je sais ce qu'il va dire. Je sais, il va dire que j'interprète mal ce qu'il dit, que c'est des blagues et qu'en fait, faut pas le prendre au premier degré. Il va aussi dire que les extraits que je montre sont hors contexte, mais il va pas montrer le contexte. Et il va dire que c'est sa façon de parler qui pose problème et qu'il utilise des mots dont il a changé la définition, donc on peut pas comprendre et que ça veut pas dire la même chose. On parlera plus précisément de sa défense et de sa stratégie de victimisation dans la prochaine vidéo, parce que c'est là où ça a vraiment sa place. En tout cas, nous, ça va faire un moment qu'on patauge dans la boue. Et je vous promets juste que ce qu'on a vu là, c'est uniquement la surface. Et c'est pour ça qu'une suite de cette vidéo sortira dans quelques jours. Alors, en attendant que ça sorte, n'hésitez pas à prendre Everstopped sur Steam, par exemple, pour me soutenir, c'est un jeu vidéo que j'ai fait. Et pour que je travaille plus vite, mettez un like, partagez la vidéo, et on voit ça dans quelques jours. Merci d'avance pour votre soutien, passez une bonne journée, à plus.